La relation est une aventure passionnante. Passionnante, mais souvent épuisante. Et j'ai envie de dire parfois même un peu périlleuse. Parce que l'aventure de la relation, c'est deux êtres ou plusieurs êtres qui se rencontrent avec leurs différences. Et puis cette rencontre, ce dialogue, cette parole qui traverse peut parfois faire mal et être à la source de beaucoup de souffrances. Ce qui faisait dire d'ailleurs à un certain Freud, le psychanalyste, qu'il considérait qu'il y avait trois fléaux dans notre société. Le premier fléau, c'est l'armée. Le deuxième fléau, c'est la famille. Et le troisième fléau, c'est la religion. Alors, je ne partage évidemment pas cette analyse. Quoique, il disait ces trois fléaux en sont parce que justement, ils cherchent à couler l'individu dans un moule. Et à partir de ce moment-là, l'être n'existe plus parce qu'il doit être dans cette conformité du moule. Et pour moi, bien sûr, c'est une dérive et des familles et de la religion aussi. Et combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Ah mais notre famille, elle est fantastique, elle est géniale parce que tout se passe bien, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, on est toujours dans la paix la plus profonde. » Et moi, je me pose toujours la question, est-ce réellement la paix ou plutôt un étouffoir où finalement plus rien ne se dit, où la relation est superficielle et la paix n'est qu'une paix superficielle mais certainement pas une paix des profondeurs. C'est vrai qu'il est une parodie de paix qui est en réalité porteuse de grande violence quand l'individu n'est plus respecté, mais est accepté que dans la mesure où il se confond avec la majorité, quand il est fondu dans un magma communautaire, qu'il soit familial, que ce soit l'Église même, quand l'individu n'existe plus, où va-t-on? C'est pas une paix, c'est une fusion. Et la fusion, on le sait, mène à la confusion. Je trouve intéressant que Jésus a dit « Je suis venu pour apporter la paix, mais pas comme le monde la donne. » C'est-à-dire une paix différente, une paix des profondeurs. Ça, c'est celle que Jésus propose, qui respecte l'individu. La paix du monde, c'est quoi? C'est souvent une paix superficielle, qui est la paix que j'appellerais du cessez-le-feu. Mais est-ce réellement une paix des profondeurs ou un simulacre? Jésus a toujours cherché à valoriser l'individu, à le mettre debout. Et c'est pourquoi, pour valoriser l'individu, comme disait un disciple de Freud et qui s'est séparé de Freud, qui était le psychanalyste ou l'analyste Jung, il disait « Ce qui est important, c'est l'individuation. » C'est-à-dire que chaque individu retrouve son territoire pour entrer dans une relation qui n'est plus vampirisante, mais une relation adulte. Et Jésus lui-même parlait d'un tranchant de l'épée que je vous propose d'étudier. Ou quand Jésus disait « Je ne suis pas venu apporter la paix, cette paix du monde superficielle, mais l'épée qui tranche, qui sépare le père, le fils, la fille, la mère, la belle-fille, la belle-mère. » C'est Jésus qui l'a dit. Qui tranche au sein même des relations familiales, un peu comme un tranchant qui coupe le cordon ombilical et qui permet à l'individu de s'épanouir, de trouver son territoire et de rentrer dans une relation juste. Oui, la paix des profondeurs passe par cette conscience que nous sommes des êtres adultes, nous sommes des individus. Et alors, dans ce respect mutuel et dans mon propre respect, je peux rentrer dans une juste relation bien centrée, bien ciblée. Jésus, même quand il s'adresse à la foule, parle à des individus. Le message de l'Évangile est une bonne nouvelle parce que non seulement il parle à l'humanité, à des foules, mais surtout parce qu'il me parle et parce qu'il te parle. Thank you.